Let's go. Joli nouveau design. Merci Scarcrow. Et yo Boubouche Bibouche 22. Salut salut. Bon, on va rentrer là-dedans. Bon. Que Dieu nous protège. Espérons que la moelle est encore là. Let's go. Putain, on va se retaper une moelle. Salut Toshidouxi, bonne chance pour ce soir, bah merci beaucoup. En plus j'ai vraiment l'impression que plus on avance dans le jeu, et plus ça devient un peu compliqué. On va pas se le cacher. Hein. Oula. Merde. On dirait que Théodore est passé par là. Ça expliquerait pourquoi j'ai pas pu contacter O'Neill. La planque d'Hoffman n'est pas loin. Je ferais bien d'aller voir. Eh ben dis donc. Il s'en est passé des choses ici. Ah, yes, un diapo. On ira mater ça après. Bon, il y a des bougies. Il y a des bougies. Il y a des squelettes aussi. What the fuck? Tout va bien. Ah, un homme sans tête. Tout va bien. Tout va bien. Ouais, le nouveau gros méchant, c'est un prêtre. C'est Théodore. Le prêtre Théodore. Hoffman, vous êtes là? Encore un. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh, attends, c'était la japonaise? Enfin, la... Léa, c'est toi? Léa? Oh. C'est toi? Ouais, c'est elle. Regardez. Pourquoi mon communicateur capte à tout ce qui... C'est elle. Peu importe, elle est tombée. Où est-ce que t'es? Quoi? Elle est de l'autre côté du laboratoire. C'est une zone interdite. On nous a dit de bien y aller. Qu'est-ce qu'elle fait? On n'a pas d'autorisation. Comment t'as fait? Ok. Ok, je vois. Ouais, je te rejoins là-bas. O'Neill a quitté sa planque pour aller dans une zone interdite de la moelle. Aïe 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 aïe. Ok, elle est partie par là, les Cruz. Putain, ça craint. Du coup, elle est plus dans sa base. Ce qu'on va faire, nous, c'est qu'il y a un PC qui clignote. Du coup, on va cliquer dessus. Alors, le temps en temps. Que concept? Putain, c'est bizarre ça. Le temps en temps. Ok. C'est toujours révélé. Nanana. Je ne quitterai pas cette planque sans avoir une bonne raison au préalable. Mais qui sait combien de temps elle restera sûre. Ok. Bon. Ok. Bah on y va les Cruz, on va essayer de la suivre. On va sauvegarder. Très bizarre là. J'ai pas envie qu'elle meure, Hoffman. Je l'aime bien. C'est une de mes préférées. Allez, on y va! J'arrive, Hoffman! Des couloirs dégueulasses. Oh! Ah! Attendez! Un corps allongé où on voit que ses jambes. Est-ce que je reparie 10 euros? Est-ce que je vais me refaire. À voir. La dernière fois, j'avais parié 10 euros. Ou 100, je sais plus, enfin, une connerie. En disant que ce corps allait être traîné vers la gauche, parce que c'est souvent ce qui se passe dans un jeu d'horreur quand on voit ça. Forcément, quand on va s'approcher du corps, bah ce corps va... Bah va se faire traîner à gauche. Bon, cette fois, je parierai pas. Putain, si c'est Hoffman. Ah, j'ai eu raison. Yes! Hoffman, c'est toi? Ah, eh ben, je peux pas te reconnaître. C'est peut-être toi, je sais pas. Pochette améliorée. Oh, nickel. Pochette améliorée de fusil à pompe. Cool. Très bien. C'est un peu creepy par ici, mais j'ai vu pire.
Wow! Enculé! Putain, il m'a fait peur! Oh la con! Oh, il y en a un deuxième! Oh putain, mais oh oh oh! Les yeux rouges, ça me fait trop flipper, lol. Oh putain, attendez là. J'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose. Ok, donc c'est un mec qui travaillait ici. Donc ouais, ça servait bien à balancer les corps. J'entends des choses, des voix qui viennent de la fosse. Arrête tes conneries là. Oh non. Oh non. Il faut que je sorte d'ici. Oh non. Je vois même pas le fond. Je crois que c'est le moment de se barrer. Allez, barre-toi, Casti. Allez, on se tire. Vite. Pas elle. Putain, pas elle. Je suis à fond, là. Et allez, je m'en doutais. Oh non, 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 non! Et merde! Oh là là! Et merde! What? Oh, fais chier! Pourquoi je suis allé dans les mines? Pourquoi je suis allé dans ces putains de mines? Oh là, elle est telle... elle est tellement flippante. Saloperie. Tu crois que tu vas me niquer? Oh! Merde! Alors attendez. Attendez. Réfléchissons. On va prendre la bouteille. De toute façon, elle ne craint pas les balles, cette conne. Du coup. Et regarde là-bas! Voilà! Mais. Allez! On reprend le flingue direct. Putain de saloperie. Allez! Et merde! Et c'est le boss? Attendez, c'est le boss ou quoi là? Oh là là! Eh, j'aime. What? Putain, mais comment je vais faire là? On reprend la bouteille, putain, il m'en reste une. Hein. Attendu, hein. Ah! Bouteille, putain. Il me faut une bouteille d'urgence. J'ai plus de bouteille, les crosses.
merde! Pourquoi j'ai été dans ces putains de mines? Oh putain, yes! Encore cette chose. Yes! Pourquoi est-ce qu'elle me suit? Encore bidon! Lié à cet endroit. Bidon! Bidon! Zéro mort! Zéro, zéro, zéro. Ah, regardez. Notre cher chef de police, là. Oh, l'enculé. Vous avez vu? L'enfoiré, James Van Kirk. Kidman avait raison. Ils sont partout. Vous avez vu? Ils étaient sous mon nez tout ce temps. C'est-à-dire que le psychologue et le chef de la police, ils étaient dans le coup. On peut ne se fier qu'à soi-même. Ça doit être une ça. Issue. Une issue? Non. J'ai... Oh! Énorme! Rubik! Ça va mon pote? Tu me manques, Rubik. Rubik me manque, hein. Ah, c'est la vision. À partir. C'est la vision qu'on avait. Rien ne change. Ma faute. Tout est ma faute. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne peux pas avancer. Je ne peux pas avancer. Putain, merde, il reste le cadre. De ma douleur. J'ai pas modifié ça. Bon, je reste comme ça du coup. Cette partie de moi toujours coincée dans le stem. Je ne sortirai jamais. What? Non. Je me trompe. Je sortirai. Mais sans toi. Qu'est-ce que c'était? Oh. C'était différent des autres fois. Plus réel. Comme si quelque chose avait changé. Je me sens... bien. What? Ah, mon vieux flingue. Ça faisait un bail. Libéré, délivré. Putain, ils ont osé, quoi. Ils ont osé nous sortir un succès, libéré, délivré. Encore un diapo, on ira se mater ça. Ah, attendez, donc là on a tué notre double coincé dans le stem, c'est ça? Donc tout devrait aller mieux maintenant. Tout devrait bien aller. On est d'accord. Mais dites-vous une chose, les crocs, c'est que je pense que ce passage dans les mines, ce qu'on vient de faire là, je pense que c'était secondaire. Je pense qu'on n'était pas du tout obligé de venir ici. Hein. Si je voulais, je prenais la puce et j'allais directement à la porte. Hein. On verra ce que ça a changé. On verra bien. Bizarre. Oh bah tiens. Ah oui, ça a l'air de mieux aller effectivement. Putain, on a un démon de l'enfer là devant nous. Chier, je les aime pas ceux-là. Ils sont vraiment chiants à tuer. Et j'ai plus de bouteille. On va devoir l'affronter les crocs. Allons l'affronte. Ok, on l'a eu. Et de deux. Et de trois. Un autre. Toi. Ah, putain. Oh les gars, vous êtes combien là? Hii! Non! Saloperie!
C'est moi, il y a son œil qui pend. Attendez. J'ai cru voir son œil qui pendait. Énorme. Allez, on se casse. Recherche de puce du nom cérébral. Oui. Allez. J'ai pas le temps de patienter. Puce du nom cérébral détectée. Go. Accès autorisé. Enfin. J'espère que j'ai encore le temps de rattraper Hoffman et O'Neill. Allez Hoffman, j'espère que t'es toujours en vie. Oula, attendez. Ça sent le piège là. Plein. Oh là 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 là. Oh, c'est les chiens. C'est les chiens. Merde. La femme poulet. Waouh, c'est quoi ce truc énorme là? Regardez-moi ça. Il a pas dû manger que du poulet lui hein. Très bien. On est plein au niveau du fusil à pompe. On va peut-être l'utiliser, ce serait bien. Ah, attendez, il y a un truc là. Ok. Alors pourquoi, à quoi ça sert? À quoi ça sert de faire ça? Bienvenue Enzo Salvi09, bienvenue. Des voix. This is the voice. Non, tu vois pas ce qu'il essaie de faire. Je t'en supplie, arrête. Ne laisse pas te contrôler. Écoute. Laisse-moi te guider. Tu dois lui résister. Hoffman, éloignez-vous. Non, il sait pas ce qu'il fait. Oh putain! Liam! Arrête! Comment ça, Liam? Ne t'approche pas! What? T'as vu mon pote? T'as une sale tête! Ah! Ah bah ça va être encore pire du coup! Non? Reste en dehors de ça, Sébastien! C'est qui? O'Neill, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est O'Neill! Il m'a montré la voie. Je lui appartiens maintenant. C'est O'Neill! Je l'ai aidé à se cacher. Et en échange, il m'a offert une nouvelle vie. Tu déconnes. Une vie d'esclave. Tu ne comprendras jamais. Tu vas mourir par le feu! Tu déconnes. Bon, mon petit O'Neill, ce qui va se passer maintenant... ça va être mauvais pour toi. Je préfère te le dire. Wow! Je suis là pour m'affronter. Que les flammes te consument. Merde, j'ai loupé. Je vais louper. Ça commence à chauffer. Il faut que j'éteigne les flammes. Je n'ai plus peur de toi. Tu vas me payer. Ça suffit. Assez joué. Aïe 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 aïe. Oh putain, y a trop de flammes. Père Théodore, je lui ai dit. Oh l'enfoiré! Il fallait faire un sacrifice. Oh, je suis mort!
Ah, ok, donc tu te fais toucher, t'es mort. Les trucs à incendie touchy. Ah, mais ça, ça que ça sert, putain, d'accord. Alors attendez, il faut que je... Non, 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 mais non. Bon, c'est pas grave. Allez. Allez. On refait pareil que tout à l'heure, ça a l'air de bien marcher les carreaux explosifs là. Ok, c'est pas du tout du carreau explosif ça. Non, non, oui, non. Allez, on l'explose. Je suis devenu plus fort, Sébastien. Tu m'auras pas facilement. Tu vas crever, saloperie. Hop. Maxime Friedman, bienvenue. Ça suffit. Assez joué. On va se mettre une petite trousse. Ça commence à chauffer. Il faut que j'éteigne les flammes. Faut que j'éteigne les flammes. Allez. Tu ne m'échapperas pas. Go les flammes. Go les flammes. Oui, père Théodore. Je lui ai dit. Ah. Bon, t'es où? O'Neill. Chérie. Où est-ce que tu te caches? Je l'entends respirer, mais je le vois pas, ce con. Attendez, il est où là? Il est où ce con? What? Mais il est où? Ah! T'es là! Que t'avais pas vu! Te consume. Oh merde! Désolé, je ne le laisserai pas sécher. Il est chiant! Oh là là! Non! J'ai plus de vie. Tu sortiras pas d'ici! J'ai plus de vie, j'ai plus de vie! Putain, il est chaud! Hein. Il est chaud! Hein. Wouhouhou! Mais quel enfoiré! Je n'ai plus peur de toi! Moi non plus! Allez! Il me reste 5 balles à le faire! 5 balles, les crozes. Il faut juste que je change ça. Je vais prendre ça. Voilà. Tu dois être purifié! Ah! Mais putain, il m'a à chaque fois! Je lui ai dit. Gratitude. Ouais, sinon tu crèves quand, salaud là? Tu crèves quand, mon petit con là? Wouh! Non! Eh, hey, mais pas facile, hein? Il est pas facile, hein. Allez, viens. Oh, il lui restait une balle. C'est bon, là. Yes. Yes. Bah alors, mon petit O'Neill. Je suis enfin libéré.
Tu dois l'arrêter. Je ne peux pas l'arrêter si je ne sais pas où le trouver, O'Neill. Il s'est transphasé. Mmh. Il n'est pas là. Il est nulle part. La machine dans la pièce d'à côté. Tu dois la détruire. Quelle machine ? Il me l'a fait construire. Pour se cacher. Détruis-la. Et tu pourras le détruire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment est-ce qu'O'Neill s'est retrouvé transformé en cette horreur ? Aucune idée. J'étais enfermée dans ma planque depuis que vous êtes parti. Quand Liam m'a appelé pour qu'on se retrouve, j'étais tellement soulagée d'entendre sa voix. Mais c'était pas Liam. C'était cette chose. J'ai essayé de le raisonner, mais... Vous l'avez entendu. Théodore Wallace lui a fait quelque chose. Pauvre gars. Je voulais pas le tuer. Vous n'aviez pas le choix. Théodore ne comptait pas l'abandonner. Bon, et maintenant ? Allons jeter un œil à la machine dont parlait O'Neill. Je crois qu'elle est de l'autre côté de la pièce où vous nous avez trouvés. Allons-y. Je veux mon gel d'abord. Qu'est-ce qu'il m'a donné ? Oh, tu déconnes. Attendez, non. Quoi ? On va voir un lance-flamme ? Alors là, par contre, je m'y attendais pas. Un lance-flamme. Énorme. Je pourrais m'en servir, mais il est cassé. Putain, on peut avoir un lance-flamme. Mais... Bon, je vais récupérer munitions, tranquillement. Non, je vais pas me soigner. Mais tout le monde meurt en approchant Casti. Bah oui, c'est... D'ailleurs, toi, tu vas mourir aussi, hein. Tu m'as approché. Bah, il fallait pas. Tu vas y passer, maintenant. Alors, est-ce qu'il y avait des munitions, ici ? Par contre, je suis un peu deg, il m'a donné un lance-flamme, mais il m'a pas donné de gel. Et ça, c'est triste. Balle de pistolet. Pompe. Ok. Il était vraiment sympa, ce boss, j'ai bien aimé, là. Ouais, un bon petit boss. Du coup, bah, RIP O'Neill, hein. Je suis désolé, mon pote. Tu m'auras servi à une chose, c'est à me donner un lance-flamme, voilà. T'auras une utilité. Oh là là. Oh, le petit con. Au moins, tu t'en sors vivante, ça, c'est bien. Je l'aime bien, elle, vraiment. Ouais, je l'aime bien. J'espère vraiment pas qu'elle va mourir. Alors, vous connaissez Théodore Wallace ? Bien sûr. C'est le chef du recrutement. Mais qu'est-ce qu'elle fait dans le STEM ? Et pourquoi elle fait ça ? Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Théodore veut Lily pour ses propres desseins. Vous avez vu ce qu'il a fait à O'Neill ? Il fera subir le même sort à tout le monde, s'il le faut. Il réduira cet endroit à néant pour mettre la main sur elle. Je peux pas le laisser faire. Ah ok, c'était le chef, en fait.
Ah, voilà la machine. Qu'est-ce que c'est ? J'en suis pas tout à fait sûr, mais ça ressemble foutrement à l'émetteur de champ stable. En tout cas, O'Neill nous a dit de le détruire. Alors c'est ce que je vais faire. Et je sais comment. C'est moi. Sébastien, je commençais à croire que tu m'avais oublié. Alors, est-ce que t'as fini d'armer tes trucs ? Ouais, cherchais justement une excuse pour les utiliser. Bien, je t'envoie mes coordonnées. Apporte l'artillerie lourde, ça va péter. Oh ! Je suis en route, à tout de suite. Esmeralda ! Mes deux copines. J'ai presque terminé. Fais-moi signe quand tu seras prêt. Bah écoute, je crois qu'on va pas trop faire durer le suspense. Qu'est-ce que t'en penses, Hoffman ? J'ai besoin de quelques clarifications. Vous n'aviez pas l'air surpris de voir Esmeralda ici. Pourquoi le serais-je ? C'est un visage familier dans le STEM. Tout le monde connaît tout le monde chez Mobius, hein ? C'est plutôt moi qui connais tout le monde. J'ai... Comme une grande famille à problème. Esmeralda est une alliée de choix dans les situations de... Ah, ça, c'est la putain de vérité. Ok. Vous feriez peut-être bien de pas être là quand ce truc explosera. Je n'y comptais pas. Il y avait du matériel intéressant dans la pièce où travaillait Liam. Je vais aller voir s'il y a quelque chose qui pourrait nous être utile. D'accord. Mais ensuite, vous retournez dans votre planque. On ne sait pas ce qui se passera une fois qu'on aura désactivé ce truc. Entendu. Retourne dans ta planque, Hoffman. Allez, on fait tout péter. Dis-moi, Torres. J'ai aucune idée de ce qui se passera quand on aura fait péter ce truc. Moi non plus. Mais au moins, on tente quelque chose. Je pense pas qu'on convaincra Théodore de laisser Lily tranquille. Il a vraiment pas l'air du genre à se laisser avoir par de belles paroles. Ça veut dire que j'ai l'autorisation de tirer à vue ? Ça veut dire que tu dois être prête à tout. Allez ! Ce sera suffisant pour nous débarrasser de ça ? Oh oui, largement. Et c'est prêt à péter à ton signal. Feu ! Je suis prêt. Je vais jeter un œil au matériel dans l'autre pièce. Bonne chance à tous les deux. Oh putain, attendez, faut pas qu'elle meure, elle. Ça sent pas bon. Bon, c'est parti. Opération potage de cul, lancement dans 3, 2, 1. Est-ce que ça va, Torres ? Ils auraient pu s'éloigner un peu plus, quand même. Torres ? Où est-ce que... Elle a disparu ? Sebastian Castellanos, vous refusez d'embrasser les ténèbres. Alors vous essayez de m'apporter la lumière. Vos mauvaises décisions sont la cause de votre perte. Alors venez, je vous attends. Vous voulez retrouver votre fille adorée. Venez donc. Oh putain. Oh oh ! Elle est là. C'est vraiment toi ? Je vais te flinguer, Lily ! Attention. Lily. Non. Lily. La voilà, votre précieuse fille. Ce n'est pas ce que vous attendiez. Papa, tu les as laissés faire. Pourquoi tu m'as pas sauvée ? Non, je t'en prie. Je ne pouvais pas. Mais je le voulais. Oh là 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 là. Non.
Vous êtes condamné à répéter les erreurs du passé. À moins de me rejoindre. Acceptez, et grâce à moi, vos rêves deviendront réalité. Ensemble, nous pourrons extirper Lily des griffes de Myra. Dès que j'aurai la puissance du noyau, vous serez enfin libérés. Non! Il faut plus que des balles pour m'arrêter. Vous ne comprendrez donc jamais. Tu m'as tiré dessus, Sébastien. Pourquoi? What? Non. Non. Oh putain, elle a encore envie. Et heureusement que c'est une guerrière. Hein. Il faut sortir d'ici. Attendez, elle est pas morte, ça. Wow, wow, wow. Non. Allez. Ça sent pas bon, là. Tu peux pas le laisser t'atteindre. Il doit payer. Et merde. Ce sale enfoiré doit payer. Torres. Sébastien, ça va pas? Tu te sens pas bien? Tu travailles beaucoup trop. Tu en perds la tête. Myra. Bon, bah, je crois qu'elle est morte. Torres. Où est-ce que... Chapitre 13, non? Attendez. Chapitre 13. Chez moi. Mais comment? Chapitre 13. Ah non, même pas. What? Et nous revoilà chez nous. Ça doit être un rêve. On va aller vérifier ça. Lily? Lily. La chambre de Lily. Exactement comme elle était. Comme oh. J'aurais aimé qu'elle reste. J'ai failli passer à côté, tiens. 9 sur 11. Putain, encore 2 et on les a tous. Très bien. On va descendre. Oh, Skyrim! Skyrim. Je me suis tellement laissé aspirer par le boulot. Si seulement je pouvais récupérer toutes ces heures. Je les passerai avec elle. Bon, croise les doigts pour Torres, mais bon. Lily. Cette lettre, les dernières paroles de Myra, elle était cachée dans ses dossiers. Tout semblait si insensé à l'époque. Mais j'aurais dû la croire. Sébastien, mon amour. Si tu lis cette lettre, je crains que le pire ne me soit arrivé. Mes recherches m'ont donc trop approché de la vérité. Malheureusement, on ne se reverra peut-être jamais. Je suis navrée de t'avoir caché tout cela. Mais je l'ai fait dans le seul but de te protéger. De la vérité comme de ma folie. Tu trouveras ici une copie des fichiers. J'espère de tout cœur que tu ne les recevras jamais. Mais dans le cas contraire, je te demande de terminer ce que j'ai entrepris. Je t'en prie, rends-nous justice. À Lily et à moi. Je t'aime de tout mon cœur. Myra. Eh ben, c'est mignon tout plein.
suis vraiment navrée, Sébastien. Oh. Tu as enduré tant de choses. Tout ce temps. Tout seul. Tout est ma faute. Tu as tenté de m'en parler. Mais je ne t'ai pas cru. Et me voilà maintenant, plein délire, à parler à une hallucination. J'ai échoué. Je n'ai pas pu sauver Lily des flammes. J'ai déçu tout le monde. C'est pas vrai, Sébastien. Tu ne pouvais pas la sauver de ce feu-là. Tu le sais maintenant. Mais je n'ai pas su la protéger. Comment aurais-tu pu ? Mobius est une force hors du commun. Tu t'accuses à tort. Personne ne peut se dire responsable d'un séisme. Rien de tout ça n'est de ta faute. Tu dois arrêter de te torturer. Tu es quelqu'un de bien. C'est pour ça que je t'ai épousée. Et cette fois, crois-moi, tu peux la sauver. De nombreuses forces s'opposent à toi. Tu dois rester fort. Ne laisse pas le passé prendre le dessus. Je te pardonne. Et Lily en fera de même. Mais la chose la plus importante, c'est que tu te pardonnes à toi-même. Que je me pardonne à moi-même. Elle a raison. Elle a toujours eu raison. Théodore utilise ma culpabilité contre moi. Mais en quoi suis-je coupable ? Tout est leur faute, pas la mienne. Ils m'ont tout pris. Je suis pas à l'origine de tout ça. Mais c'est moi qui y mettrai un terme. Et que Dieu vienne en aide à ceux qui me barreront la route. Sébastien, réveillez-vous. Ah. Mais... L'éveil spirituel. Hoffman ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah merde, putain. Elle vous a conduit ici. Je suis navrée. J'ai tenté de la sauver, mais... Non. Je lui ai tiré dessus. La plaie par balle était superficielle. Elle a succombé aux blessures que ces créatures lui ont infligées. Putain. Elle aurait pas dû mourir comme ça. C'était un soldat hors pair. Elle voulait uniquement sauver Lily. Et la voilà morte. C'est ma faute. Encore une fois. Non, c'est faux. C'est pas de votre faute. Ne laissez pas vous infliger ça. Vous avez raison. Ce fils de... C'est exactement ce qu'il attend. Il essaie de me culpabiliser. Mais c'est lui le responsable de tout ça. Pas moi. C'est lui le coupable. Bon.
Il est temps de faire le grand ménage. Il faut que je retrouve Théodore. C'est pas le problème. Détruire la machine de Liam a bien fonctionné. Théodore n'a plus nulle part où se cacher. Bienvenue comme Crypt. Le problème, c'est de l'atteindre. Comment ça ? J'ai récupéré ça à partir des caméras de surveillance extérieure. Regardez. La forteresse de Théodore se trouve au centre d'Union. Le problème, c'est qu'elle est entourée d'une épaisse muraille de flammes. Eh merde. Je pourrais jamais traverser ça. Je pense qu'il y a un moyen. J'ai trouvé un appareil dans la salle d'équipement de Liam qui devrait pouvoir vous aider. Parfait. Voyons ça. Il n'est pas encore prêt. Je dois encore faire 2 ou 3 réglages. Ok. Faites ce que vous avez à faire. Il me semble avoir vu un hôtel dans le coin. Je vais voir s'il n'y a pas de danger et je vous envoie les coordonnées. Vous n'aurez qu'à m'y retrouver avec l'appareil. Ok. À tout à l'heure. Chapitre 13. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Traverser les ruines d'Union pour atteindre l'hôtel du quartier des affaires. Nécrose, qu'est-ce que je vois là ? Ce serait pas une arme ? C'est pour moi ? Je suis désolé, Esmeralda. Ta mort n'aura pas été vaine. Compte sur moi. Je vais le traquer comme le sale chien qu'il est. Oh là 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 là. Ok, bah ça c'est bon à savoir. Putain, classe. Hey, oh. Quelqu'un m'entend ? Nope. Sykes ? Vous êtes toujours là ? Tout va bien ? J'aurais vraiment besoin d'aide. Vous ne le regretterez pas. Je ferais bien de me rendre dans sa planque. Et voir ce qui se passe. Oh, une quête secondaire. Putain, j'y croyais plus. Bon, les Crows, vous savez ce qu'on va faire. Hein. Rendez-vous à la planque de Skies. Alors, attendez, Skies, mais il est où, lui ? Skies... Je sais même plus qui c'est, Skies. Ce serait pas le Black ? Je crois que c'est le Black, mais ça fait loin. Faut revenir carrément loin. Oh. Faut revenir au théâtre. Ouais, il est au théâtre. Skies, il est au théâtre. On a du chemin. Si on y retourne, on a du chemin. Ah non ! Ah bah on est au théâtre. Oh bah parfait. Parfait. Allez. Bon du coup, bah direction Skies, on va aller voir ce qu'il a à nous proposer. Allez, on y est. Ce n'est pas O'Neill, c'est un autre esclave de... Ouais, ouais, oui, oui, j'imagine. Voilà, bien. Que se passe-t-il, Skies ? Alors. Je suis légèrement occupé, vous savez. Hé, hey, c'est vous qui m'avez dit de vous appeler avant de partir. Vous avez trouvé la sortie de secours ? Regardez. Félicitations. Il faudra que vous montriez comment l'utiliser pour que je puisse sortir d'ici avec Lily. D'accord. Alors voilà ce que je vous propose. D'abord, vous devez m'aider à quitter ce monde. Vous aider ? Je ne sais absolument pas comment fonctionnent ces ordinateurs, Sykes. Non, c'est pas ça le problème. J'ai piraté les serveurs pour accéder à une zone restreinte du STEM. Je dois utiliser l'un des caissons pour sortir d'ici. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus de courant. Et il y a un sacré paquet de créatures aussi. L'effondrement du système affecte le STEM en profondeur. Si vous rétablissez le courant et faites le ménage pour moi, je pourrai enfin me casser d'ici. Encore une fois, qu'est-ce que j'y gagne ? Je vous montrerai comment utiliser le caisson avant de partir. C'est bon ? Ok. Ça vaut le coup d'essayer. Merci. Appelez-moi quand tout sera prêt. Ok. Bon, on a du taf, les Crows. Hein. Ouais. On a du taf. J'ai l'impression que ça va servir à rien ce qu'on va faire en fait. Alors,
Dites-moi. Je dois reconnaître que j'ai été surpris d'avoir de vos nouvelles. Bon, parlez pas. Je me suis fait discret pour résoudre cette histoire d'issue de secours. Mais j'ai jeté un œil de temps à autre. Tout part en vrille. Putain. Un maniaque essaye de prendre le... Vous avez eu raison de rester là-dedans. Ça me tente pas trop. Le pire, c'est que ce cinglé veut mettre... Si mon plan fonctionne, vous... Comment est-ce qu'un type comme vous... Un type que vous avez... Ouais, vous pensez... Non, c'était pas... Mais bon... C'est tenté. Et vous... Hey, je lis très vite, hein. Bon, il faut rétablir le courant, du coup, c'est là-dedans que ça se passe. Bon. Allez. Mettons-nous au travail, avant que je change d'avis. Let's go! Salut, Big Burger! Ah, une nouvelle moelle. Ça, j'aime bien. Allez, on y va. On va essayer de remettre le courant pour Skies. On va peut-être pouvoir partir d'ici vivant, les Crows. Ce serait bien, non? Qu'on retrouve notre petite femme. Et notre fille. Un bel happy end nous attend. Bonne nuit, Missoudi. Ça a l'air abandonné. Rien de rassurant. Je dois simplement m'occuper de ce qui grouille là-dedans et remettre le courant. Ce qui grouille là-dedans. T'en as trop dit. Ils vont se lever, eux, non? Je lève jusque 23h le gros. Oh là 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 là! Ce talent! Et tout ça sans munitions et sans hache. Hein. Je tiens à le dire. Hein. Il y en a un là-bas. Il s'est mis à bouffer. C'est nickel. Ah, je crois que j'ai fait un peu de bruit. Merde! Bon, on en a eu 2 sur 3, c'est pas mal, non? Quel skill! Ah bah il en faut. Hein. D'accord. Il sait manier le cut Toshi. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. 1, 2, 3. Boum! Assurez-vous qu'il n'y ait plus d'ennemis et appelez Skies depuis la... Eh merde. Holy fucking shit! Boum! Next! Je vais vous niquer à l'âge, bande d'enfoirés! À la hache, j'ai dit! À la hache! Tiens! Tiens! Oh!
C'est bon ça. Elle a hache, j'ai dit. Et la saloperie. À la hache. Oh putain, le double. Double kill. T'as vu ça? Y'a que moi qui peux faire ça avec Rose. Double kill à la hache. Eh ouais. Vous ne verrez ça que ici. Ça, c'est certain. Bon allez, fini les conneries. C'est bon. Je ferais bien d'appeler Sykes. Raphaël Guzmao Zino, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Merci. Je serais pas parvenu sans vous. Vous êtes sûr que ça va marcher? Non, mais j'ai pas super envie de rester ici. Tout est bon à prendre à ce stade. Ok, tout est en place. Quand vous ramènerez Lily, vous trouverez un minuteur ici. Tournez-le d'un quart de tour, puis appuyez sur ce bouton. Ça vous laisse 60 secondes pour monter dans le caisson. Vous devriez pouvoir y tenir tous les deux. Sykes, j'ai comme un mauvais pressentiment. Écoutez, je sais ce que je fais, ok? Vous devriez peut-être remettre ça à plus tard. Aidez-moi à trouver Lily. Et nous trouverons une autre issue. Je suis désolé pour vous. Vraiment. Mais le mieux que je puisse faire pour vous aider, c'est de faire fonctionner ce caisson. Ok. Si vous le dites. Souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance. Et bonne mort. Bon, on a notre porte de sortie, les Crozes. Hein. On a notre porte de sortie. Merci. Je vous ai laissé quelque chose en guise de remerciement. J'en aurai plus besoin là où je vais. On se retrouve de l'autre côté. Il s'en est sorti, vraiment? Sérieux? Le petit Skies... Ah, mais il est plus là. Putain. Il s'est déco de la matrice. Je me demande si ça a marché. Eh ben écoutez. Sayonara Skies. Six. Eh ben il s'en est sorti le bougre. Alors ok, donc on peut sortir ici. Donc on a 60 secondes. Très bien. Bah écoutez. C'est plutôt très bien ça. Ah. Malgré un taux de réussite de 25%, il a été décidé d'interrompre les recherches. Non. Un sujet sur quatre est parvenu à quitter le système. Non. Les trois autres ont tout simplement... Mais non. Nous pensons que les 75% restants sont perdus dans un niveau non répertorié du STEM. Non. Un rêve dans un rêve dont il est impossible de revenir. Mais en non. En raison d'un trop grand nombre d'inconnus... L'expérience a été abandonnée. 25% de chance de réussite. C'est trop peu pour que je risque la vie de Lily. J'espère que Sykes a rejoint le monde réel. Il a une chance sur 4 après tout. Ok. Et le pire, c'est que si tu t'en sors pas, donc si t'es dans les 3 chances sur les 4, t'es dans un rêve, dans un autre rêve, et ça s'en finit jamais, donc t'es en enfer, quoi. T'es dans la merde. Bah je risquerai jamais, hein. Même si j'ai une chance sur 4, je risque pas. Mais il aurait pas pu le lire avant, sérieux? Il aurait pas pu lire ça avant? Il a fait le boulet. Oh, une nouvelle arme, attendez. Oh, canon scié. Ah, fusil à double canon. Muy bien, oh. Alors, tac, ça je prends direct par contre. Ça je prends direct. Fais voir un peu. Oh là là, ça va faire mal ça. Ça va faire mal. Bienvenue, je suis dame. Oh non, je tente pas. Je tente pas la baignoire là. Laisse tomber. Je tente pas le caisson. En plus, on est deux avec Lily. Donc, c'est mort.
Faut prier pour Skies. Faut qu'il s'en sorte. Hein. Faut qu'il s'en sorte. De toute façon, on le verra plus là. On le verra plus. À moins qu'il s'en ait sorti et que nous on s'en sorte à la fin. On va le revoir dans le monde réel. Mais il y a peu de sens. Hein. Bon. Ah là là, il me manque. Regardez, il était là. Ah, attends, il a laissé une note. Message de Sky. Oh, il a laissé une note, attendez. Merci pour le coup de main, Sébastien. Vous êtes digne de confiance. Je vous souhaite bonne chance. Si vous parvenez à vous en sortir, essayez de me retrouver. Je vous paierai une bière dans le monde réel. Votre pote, Six. Six. Je trouve ça tellement... Bah t'as envie en fait, t'as envie qu'il s'en est sorti. T'as envie de le revoir dans le monde réel et de vraiment boire une bière avec lui, tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est tellement horrible de penser qu'il a pas survécu et qu'il a cessé d'exister totalement. Tu te dis que le mec a quand même pris son temps pour écrire ça sur un bout de papier. Ah, c'est frustrant. On sait pas ce qui lui est arrivé. Bon, du coup, nous, ce qu'on doit faire, c'est aller traverser les ruines d'Union pour atteindre l'hôtel du quartier des affaires. Sauf que ça, les Crows, on le fera dans le prochain live.